Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo League of Legends. Ça fait un peu longtemps que je vous en ai pu proposer une. Avec le logiciel que je filmais et tout, j'avais mis une bonne résolution et tout, mais seul problème c'est que la taille du fichier était trop grande. Ça dépassait les 4 Go, donc j'ai juste pu upload une vidéo, les autres vidéos je les avais pas upload, désolé. Donc là je vais vous proposer une autre vidéo, j'espère que vous allez bien aimer. Abonnez-vous et likez. Allez, on se retrouve à très bientôt sur le jeu. A tout de suite. Voilà, me re là. Je vous fais voir vite fait contre qui on va jouer. Donc, déjà dans notre trip, on aura Ezreal de glace, donc le skin. Arthros, Zilan, moi, donc Anwen, que je joue très bien en ce moment. Et Maître Yi. Contre nous, donc les VS, donc il y aura Janna, Gragas, Teemo, Olaf et Varus. Ce qui promet d'être une bonne partie et tout. Donc je fais quelques petites coupures quand même pour bah, que mon ping soit stabilisé sans moins de filmer. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà, on se retrouve sur le jeu. J'espère qu'on fera une très bonne partie. Donc je vais aller m'équiper et tout. Donc hop. Donc moi je prends toujours dans les conseillers, j'y étais pas. Voilà. Et je vais aller au top. Donc top c'est en haut, bot en bas et mid au milieu pour ceux qui savent pas. Donc je vais vous dire quelques petites astuces. Vous appuyez sur Y, ça vous remet sur vous. Vous enlevez, ça vous fait ça. Vous pouvez vous balader, donc F1 pour sur vous, F2 sur quelqu'un d'autre, F3, F4, F5, F6 et tout. Quelques petits trucs que j'ai su comme ça sans problème. Donc je serai avec Arthros, une bonne. Donc elle lui déjà fait mal un peu, je trouve. On a failli l'avoir dès le début. Raté mon petit pépère. Oh merde. On a. C'est qui? Oh merde, j'ai pas vu. Donc si j'ai quelques bugs de FPS, j'en suis désolé par moment. Parce que parfois mes FPS tombent un peu, donc j'en suis désolé. C'est juste que j'espère. Donc peut-être que très bientôt j'aurai une connexion de 100 mégas. Une très bonne connexion, donc je vais pouvoir faire du bon. Ce que j'adore avec Wen, c'est du. Bah, du tir, hein, donc. Merde, ça n'a pas réapparu. Seul truc c'est que le sort que j'ai utilisé là que j'ai activé en début c'est qu'il consomme beaucoup de mana donc faudra pas que j'utilise trop souvent. Wen peut venir très fort en faut lui mettre beaucoup de vitesse d'attaque et un peu de dégâts. Et là vous pouvez vous faire toute la colonie. Donc un carreau d'argent. Déjà un kill. Son carreau d'argent lui permet quand vous l'accédez bah, qu'elle va plus vite. Il a raté son coup. Score avec Wem, c'est du, si je me trompe pas, du 6-0. Mais là j'étais vraiment tombé dans une partie très fort, hein. J'étais avec des personnes qui c'était vraiment des grands leaders, hein. Mais contre des nobis de niveau très bas en fait, donc
Je joue aussi avec Arch, je vous ferai une petite vidéo avec Arch où je gère bien. Le meilleur score que j'avais fait c'était du 16-3 avec. Mais il y a aussi des jours que je suis pas très bien réveillé, vous me verrez. C'est en cas où vous me verrez dans une partie que je fais du mauvais score. Là c'est vraiment quand je viens de me réveiller le matin. Spécialement cette vidéo là je la fais l'après-midi vers je sais pas quelle heure était-il quand j'ai regardé. J'ai pas fait attention. Son vie. J'ai plus grand monde de mana donc je peux pas refaire grand chose. Donc n'activez pas condamnation en premier. Activez plutôt carreau d'argent, ça va vous faire plus de dégâts. Et surtout ça va. Voilà, max 200 PC de dégâts pour les. Ne faisons pas le con dès le début parce que sinon ça le fera pas. Là j'ai juste une petite FPS, voilà. C'est vraiment. Oh, yeah. Maître Yi, il a failli se faire tuer. Je fais quand même aussi il suffit d'avoir 4 personnes, tu cours après, elle te jette ça, tu sursautes, comme ça t'es mort direct. Le mal est partout. Mais aussi, je joue aussi un peu avec Darius. Bon, là, je fais des bons scores, je trouve. J'arrive quand même à équilibrer le score et tout. Mais il est pas fameux. Donc, voilà. Si vous aimez mes vidéos sur League of Legends et que vous en voulez encore plus, dites-le. Il y a de la magie noire. Là, je viens juste de sauver mon équipier. Il en veut toujours, je sais pas pourquoi. Oh, on va pas s'aventurer. Et même se faire sauver par un. Je sais pas quoi. Je crois que je vais devoir back. Voilà. L'obscurité dévoile la vérité. Ça, ce sort-là est très bien parce que je trouve que. Je vais ajouter mes potes, donc faut attendre. Donc je fais déjà les objets essentiels et après je fais les objets offensifs qui me permettent d'avoir. Voilà. Surtout améliorer beaucoup votre vitesse d'attaque. C'est ça qui est un peu le principal truc dans les kills. Plus la vitesse d'attaque est haute, plus vous irez plus vite à tuer. Mais c'est pas vraiment un tank, Wendt, c'est plutôt un tireur, donc
N'allez pas dessus comme si vous allez être comme un boulet de canon sur un tiré d'Asher. Donc foncez pas direct. Quand vous foncez, ayez un coéquipier qui vous aide juste à côté. Ça, il pourra vous venir en aide au cas où si vous avez besoin d'aide. Donc son dernier sort, son sort ultime, permet quand il reste plus vraiment de vie à un personnage, ce sort là donne 270 à 300 de dégâts en plus dans les sorts, et ça lui permet aussi d'avancer beaucoup plus vite. Hein. Merde, je crois qu'il a mis son sort ultime. Si j'aurais eu ce sort là, j'aurais pu le tuer, mais comme un con, voilà. Ça n'a pas été assez vite. Donc on va... je vais attendre 800. Comme ça, je vais pouvoir avoir ces deux là. Donc je veux pas dire que je suis un pro de ce jeu là, mais voilà. Voilà, donc après c'est lui. Je fonce sur les ailes de la nuit. Qu'est-ce que je fais? On va l'aider ici. Donc une partie de LOL peut durer très longtemps, comme peut durer très vite. Donc minimum c'est 30 minutes. Donc 30 minutes c'est... C'est petit. J'entends le cri des innocents. Les ténèbres devraient me craindre. On va y aider. Oui, j'arrive mon coco. J'ai pas vraiment de vie. Donc je... Oh. Yes. Oh non. Je crois que c'est un sbire qui m'a donné le dernier coup sur moi et ça m'a fait tuer, donc donc là je suis du genre 1,09, je suis du 2-2, j'espère que je ferai une meilleure score. Alors, au fait, peut-être que je commenterai quelques si vous avez envie que je vous commente un de vos matchs et tout, ajoutez-moi sur sur LOL et envoyez-moi un MP sur LOL, bien sûr. Dites-moi tiens, j'ai envie que tu viens filmer ma partie, tu la commentes et tout, et je viendrai, ne vous inquiétez pas. Les ténèbres devraient me craindre. Donc cette idée là ne vient pas de moi, bien sûr. Je dis pas que je copie, mais je prends un peu l'idée sur les autres personnes. Les ailes de la nuit.
Ce sort-là que je balance à chaque fois peut servir beaucoup. Quand vous avez un ennemi près d'une tourelle ou ici, ou vous êtes derrière lui, vous faites ça, il est balancé sur la tourelle et ça va vous aider à le tuer, bien sûr. Wow. Ouais, bof. Oh le con, je viens d'activer ma... Lui il m'a niqué mon sort, bâtard. Oh, je m'excuse de toujours dire... Mais je suis quand même un peu une personne qui rage et tout, donc voilà. J'aurai peut-être bientôt un ordinateur un peu plus puissant que lui, donc je vais pouvoir peut-être vous proposer du contenu un peu mieux. Mais la connexion sera toujours ici, une bonne, un peu une mauvaise connexion. Bon, j'ai quand même une bonne connexion pour filmer ça parce que voilà. Ils sont un peu durs à voir. Oh, il a failli m'atteindre ce PD. Tourelle, tourelle! Non, j'ai pas eu le kill. Mais. Il avait voulu faire le kamikaze, mais ça fait tuer, mais il m'a tué. C'est ça le problème. Il a fait le kamikaze, on va dire. Quelqu'un qui se jette sans se soucier bah, des autres persos, des autres tourelles ou des sbires. Bon, les sbires, on s'en fout parce que les sbires ne donnent pas vraiment de dégâts donc. Ça va, ah, 1500, je vais pouvoir m'acheter ça. Donc, prochaine à 1000. Après, je me fais ça. Donc, j'avais fait une partie juste avant, mais elle avait été trop longue. Non, pas trop longue. Elle a été trop vite et je voulais proposer une partie qui durait 10-15 minutes. Même si ça aurait été plus vite à Uploan, mais voilà. Donc, voilà. Aussi je fais un petit récapitulatif en même temps, ça évite de refaire d'autres vidéos de récapitulatif. Je referai mes tutos des 90 astuces. Vous avez vu que j'en faisais plus là pendant un petit moment, c'est parce que j'en recherchais d'autres et tout. Vous inquiétez pas et tout, que je vous en referai d'autres. Aussi les personnes qui regardent, par exemple, je vois que les principaux messages que je vois dans ma boîte de messages, donc boîte de réception, viennent de comment augmenter la réception donc et tous les coups par seconde dans Uterun. Regardez une autre vidéo parce que j'ai fait une autre vidéo pour la 3.3.1, mais à chaque fois je vois que voilà. Vous cherchez pas plus loin et vous me dites sur la vidéo ah ça marche pas et tout. Parfois vous avez, c'est votre connexion qui est très mauvaise. Faites un speed test et vous verrez combien vous avez de Mbps, donc les mégas. Moi spécialement j'ai entre 7 et 8 Mbps, donc sur 20 mégas moi je trouve que c'est déjà correct. Donc après vous, à vous de voir. Pour l'instant le meilleur du marché c'est une Mericab. Je vais déjà voir avec mes parents s'ils veulent bien ça. Bien sûr j'ai pas encore 18 ans, même pour ceux qui croient que j'ai plus. Il a eu la chance, mais si je l'aurais continué à le poursuivre, j'aurais pu peut-être l'avoir, donc... J'ai vraiment fait le con.
comme d'hab, il a piqué mon kill. C'était mon kill, bâtard. Failli me toucher, hein. Oh, Maître Yi, il fout beaucoup de dégâts là. Il est très fort, Maître Yi, là, en ce moment. Il doit être classé parce que regarde les dégâts, plus 12 et tout, il doit être classé. Donc là en ce moment j'ai pris un bonus d'XP, comme ça je monte beaucoup de level. Je suis déjà level 18, je suis bientôt up 19. Ah ah ah, derrière, derrière, derrière. On nous a eu tous les deux. De merde, on va dire. J'aurais voulu être contre d'autres personnes, ça aurait été un peu mieux. Alors aussi, si vous voulez que je teste certaines persos de l'aigle, dites-le. J'ai un peu un inventaire de fou, on va dire. Je continue, j'achète des persos, plein de persos, et si vous voulez que je vous fais des tests de persos, dites-le. Il y a peut-être ça qu'ils ont, il y a peut-être beaucoup de youtubeurs qui font ça, mais moi je peux poser mon propre contenu. Donc tout le monde a son propre contenu, tout le monde propose ses propres trucs. Voilà. Chacun propose ce qu'il veut et tout. Dans l'histoire, tiens, tel youtubeur copie un autre youtubeur, moi j'y crois pas trop. Parce que chacun propose ce qu'il veut, même si c'est déjà une idée qui a été piquée de d'autres personnages, hein, d'autres persos. C'est vrai que le copyridge, quand il y a le copyridge, l'idée de quelqu'un d'autre, ça se fait pas. C'est comme si que vous faisiez quelque chose d'illégal et que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc bien sûr, quand on dit illégal, c'est interdit. On est mal barré. J'ai réussi à m'échapper, mais l'autre il est pas ici. Ah, 1300, je vais pouvoir m'acheter ça. Hop. Puis autour de ça. Le mal est partout. Je vais essayer de mettre beaucoup de dégâts et beaucoup de vitesse d'attaque, hein, ce qui va me permettre de faire beaucoup de dégâts. Je vais aider un peu au milieu parce qu'en haut on a bien avancé. Et en bas, donc au bot, ça a l'air d'aller. On va essayer de faire avancer au milieu. C'est plus grand de vie, on m'avait bien touché. Oh, oh, il va pas le tuer. Oh si, méchant qui va se faire éliminer. Non, même pas. Oh, la tourelle lui. Pff.
fout rien comme dégâts. Maître Yi, c'est peut-être grâce à lui qu'on gagne. Ah ouais, 18-2. Lui, je crois qu'il va avoir un bon travail d'équipe. Il fait bien son boulot. Un flacon cristallin, il est bien stuffé ce gars-là. On va prendre ça. Craignez l'obscurité. En bas, il y a Maître Yi qui essaie de faire avancer. On va essayer de faire avancer. Parce qu'en gros, ça a l'air d'avancer, même s'il y a un gros groupe de spires ennemis. J'entends le cri des innocents. Donc là ils ont besoin d'aide, tout le monde va à mid. C'est pas correct de faire ça, mais ça peut aider. Faut l'éliminer la kill là. Mais c'est le problème, c'est qu'il n'y a personne et je viens de me faire éliminer comme un con. Bon là ils vont en faire que la chipée, la tourelle. Almid. Craignez l'obscurité. Il y a de la magie noire dans l'air. L'obscurité dévoile la vérité. Je vais back. J'ai plus de vie donc je vais back. Ouais. Je possède tout. Non, il n'y a que ça que je possède pas. Je fonce sur les ailes de la nuit. Timon, lui reste plus vraiment. Oh, mince. Maître Yi vient de se faire tuer. Le mal est partout. L'obscurité dévoile la vérité.
je vais vite me reprendre ma vie. Et je pense que j'ai assez. Voilà. Bah, c'est 800. Donc voilà. J'arrive quand même à faire des assists. Hein. Je voudrais avoir des. L'obscurité dévoile la vérité. Non, c'est pas, je vais récupérer comme ça, c'est tout. Le mal est partout. J'apporte la je fonce sur les ailes de la nuit. J'entends le cri des innocents. Voilà. Les ténèbres devraient me. Ouais, je vais me faire. Back. Qu'est-ce qui va me permettre de gagner ça? Bah après, on va mettre un peu plus de dégâts, on va dire. Dégâts. Ouais, bon, j'ai plus rien. J'ai plus d'argent, c'est normal. Ça a l'air d'aller, mais FPS varie. Oh, j'en ai une tête, je vois qu'il y a un grand groupe. Voilà, ça c'est fait. Sur les ailes de la nuit. On a
quand même moyen de gagner, on a bien avancé, toutes les tourelles de chaque allée ont été détruites. On a quand même moyen de gagner. Donc abonnez-vous et likez cette vidéo si vous avez bien aimé. Hier, c'est moi qui l'ai eu. Donc j'ai eu une petite baisse de FPS, hein, j'en suis désolé. On va couper vite fait la vidéo et attendre vite fait qu'on a un reprise de FPS. A tout de suite. Heureux à tous, voilà. On se reprend pour la suite de la vidéo. Désolé, mais j'avais eu un petit bug de lag et tout, donc j'avais dû arrêter. Là on reprend. J'étais seul, presque tout le monde est niveau 18, sauf moi. Et quelques personnes dans l'équipe. Voilà, Maître Yi joue très bien, il y a français, c'est le MF 96 et tout, il est que niveau 15, même pas classé, et c'est quand même grâce à lui qu'on gagne, donc j'ai à lui. Merde. Non, je veux pas mourir. Prendo. Waouh, pas passé. J'ai juste de reprendre, j'ai failli mourir. J'ai peut-être non. Ouragan de Russian que je vais prendre, ça plus 70% et ça attaque plusieurs personnes en même temps. Qui est très bon. Je suis à 182, avant j'étais à 102, là je suis à 182, donc je fais beaucoup plus de dégâts. Ouais, donc cette partie est faite pour gagner, on va dire. D'inspirer tout, donc là je crois que c'est gagné d'avance. Et voilà la belle victoire. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Donc aimez, abonnez-vous et si vous en voulez, demandez en plus pour des vidéos. Allez, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.